très bien vu de la part de Baresi, qui ne s'est pas laissé embarquer. Et ça joue bien en ce moment avec Gullit. Massaro qui demande le ballon dans la surface de réparation, c'est bien fait. Massaro qui peut centrer pour Van Basten. Et c'est l'ouverture du scoreur sur superbe action d'école. Quelle remontée du ballon avec ce superbe coup d'œil de la part de Massaro. Quelle passe décisive. J'ai l'impression que le but est refusé. J'ai l'impression rondée. C'est ce qu'est en train de dire Costa Curta. C'est vrai que si c'est le cas. Alors, que s'est-il passé? Non, a priori, il n'était pas hors jeu hein, sur cette passe. Difficile à juger, mais Massaro n'était pas hors jeu. Van Basten l'était-il? Là, c'est la question. Décision. Alors, qui était hors jeu? Massaro au début de cette action ou Van Basten ou aucun des deux, tout simplement. Van Basten, ça semble difficile. Et qui a valu donc au gardien de la Squadra Azzurra de prendre un carton jaune. Le centre, finalement, ballon repoussé. Le danger et l'égalisation! L'égalisation de Jürgen Klinsmann. On vous avait dit que c'était un duel de buteurs. Et sur ce moment de flottement, eh bien Jürgen Klinsmann lui-même marque le but de l'égalisation. C'est son premier but seulement cette saison, Jürgen Klinsmann. Sur ce ballon mal repoussé par Costa Curta. Ah, on a retrouvé un peu de fierté du côté des supporters de l'Inter. Et le duel tant attendu Van Basten-Klinsmann, eh bien...